Yo, bienvenue. Bon, c'est parti pour l'épisode Tu ris, tu perds. L'épisode 2, comme vous avez été super sage. Sage, bon. Bienvenue à Cookensage, jeune homme. Je vous présente, ça c'est le fourrassage. C'est ce qui permet de cuire un pain artisanal du Moyen-Orient. C'est comme une pâte à pizza, une pâte à pita, c'est un peu plus fin. Et la particularité, c'est qu'on pétrit nous-mêmes la pâte et qu'on le cuit à la minute. Garantie fraîcheur. L'essayer, c'est l'adopter. Soyez sage. Ok, c'est parti pour le tome 2. Et je tiens juste à vous dire, on a rajouté une difficulté. Allez, à tout à l'heure. Merci. Plouf, plouf. Ouais. Chifourmi, pierre, feuille, ciseaux, cul sec. Pierre, feuille, ouais, ciseaux. Allez, tu commences. Ah, faut que je bois. Ouais. Mais remplis bien, non, faut bien remplir. Remplis, remplis, remplis. Bois, 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 bois. Bois bien. Bois bien, bois bien. Bien, bien. Voilà. Voilà. C'est deux savons qui se rencontrent. Il y en a un qui dit à l'autre, t'as maigri. L'autre lui dit, j'ai pris un bain. Bois. C'est trois cacas qui marchent ensemble et ils vont à la guerre. Et ils rencontrent la diarrhée. Et la diarrhée, elle a fait, ouais, c'est possible, je viens à la guerre avec vous et compagnie. Et les cacas, ils leur disent, non, la guerre, c'est pour les durs. Il pleure. Monsieur l'arbitre. Non, arrête, arrête, non. Arrête. Qu'est-ce qu'un ange gardien des roues? L'ange Oliver. Il en avait pas. Quel est le meilleur ami du feu? Le pote au feu. Est-ce que tu sais pourquoi un japonais n'a pas besoin de cheval? Parce qu'il est des japonais. Il perd sa tête. Qu'est-ce qui est pire qu'un piranha? Un Rihanna. Mais des fois, si, non? Trois mecs veulent traverser une rivière. Le premier passe, le crocodile le mange. Le deuxième passe, le crocodile le mange. Le troisième passe, au calme. Pourquoi? Parce qu'il portait un t-shirt Lacoste. Que dit le... Ah oui, excuse-moi, t'es pas encore frais. T'es vrai? Non, mais... Que dit le cheveu afro à son frère? De quoi je me mêle? T'as craché? Elle est là, elle est là, elle est là. Que fait un poussin de 500 kilos? Pio pio. Il est mort, toi. Est-ce que tu connais l'histoire de l'homme à 5 gags? Non? Bah, il paraît que son caleçon lui va comme un gant. Que dit le smartphone lorsqu'il rencontre l'oreille? Tiens, prends ça dans ta gueule, hein. Vas-y, sors. Sors de ce... Ah. Salut, ça va? Ça va, ça va. Vous voulez jouer? Vous voulez rigoler avec nous? Bon alors, c'est un croissant et un pain au chocolat, ou une chocolatine, comme tu veux. Ils discutent, le croissant, il fait... Bah, je suis bien là, et toi? Bah ouais, moi aussi. Le pain au chocolat, il fait... Ah, mais en fait, t'es tout tordu. Et là, le croissant, il fait, mais moi, au moins, j'ai pas de la merde collée au cul. Quelle est la pompe à essence favorite des geeks? La PlayStation. <C'est>...
Fred. Allez, Fred. Voilà, voilà, voilà. C'est un couple qui divorce. Ils sont devant le juge. La femme se défend. Votre honneur, j'ai gardé cet enfant dans mon ventre pendant 9 mois. Je mérite la garde. Le père s'exprime, plus catégorique. Votre honneur, lorsque vous mettez une pièce dans un distributeur, la canette qui en sort vous appartient ou appartient au distributeur? Est-ce que tu sais pourquoi François Hollande a grossi durant son mandat? Parce qu'à l'Elysée sur Internet, au lieu de supprimer les cookies, bah il les mangeait. Ce gros porc, il mangeait les cookies. C'est deux fesses qui discutent. Il y a la fesse droite qui dit à la fesse gauche, tu... Mais non, mais non, mais ça compte pas. Mais si, on a perdu un point, frère. Non, on a perdu un point. T'as rigolé, t'as rigolé. Comment s'appelait l'arrière-arrière-arrière, bref, t'as compris, grand-père de l'actuel président de la République française? L'homme de Cro-Macron. Ah. Mike, elle a se transformé. Mike, il y a eu un rire, je suis désolé. Il a rigolé. Hein. J'en ai fait que. Ah, mais t'as rigolé. T'es nul, on l'a. Ça fait quoi un roux sur une bicyclette? Un tricycle, parce qu'il y a 3 roues. T'as déjà vu un moucheron? Non? Et un mouche carré? T'as vu un mouche carré? Ou un mouche rectangle? Triangle isocèle? Non? Rigole, connard! Hey, fais chier, lui! Qu'est-ce qui est petit, carré et jaune? Un petit carré jaune. Mais je crois qu'il a une sortie, une bombe à nous. Tu veux que je te raconte une histoire de fesses? Chelou. Mais pourquoi pas? Non, mais... Quelle est la boisson préférée de Teddy Riner? Le judo. Qu'est-ce qu'un chameau à 3 bosses? Un chameau qui s'est cogné. C'est bon? Qu'est-ce qui fait 999 fois tic et une fois toc? Un 1000 pattes avec une jambe de bois. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Un steak. Le bâtard. Au revoir, monsieur. Tu m'attendais à un steak haché, un connerie. Voilà, pas steak. Il y a une pute, un belge, un noir, 3 arabes, le pape et 2 nains qui rentrent dans un bar. Et là, t'as le barman qui fait « Attends, c'est une blague, là !» Presque. Ok, next. Qu'est-ce qu'une luciole qui prend du Viagra? Un néon. C'est pas mal. Eh bien. Qu'est-ce qui est bleu dans un pré? Une vache avec un survêt de Lacoste. Il l'a lavé. Mais je m'y attendais pas. Avec un survêt de Lacoste. Tu vas cracher dessus quand même. Likez, partagez, parlez-en à vos amis. Ok, regardez ça chez vous, faites ce jeu chez vous et mettez vos blagues dans les commentaires. Voilà. On est quand là, quoi. Voilà. Bisous, partagez la vidéo, on se retrouve pour le round 3.